des travaux publics, transport, communication, lancé à lundi travail, bétonnage, asphaltage et l'ajustement route dans le département l'Ouest. Activité ça y a... Bonsoir tout le monde et merci parce que vous choisissez Télévision Nationale d'Haïti pour informer. Bienvenue dans l'édition Nouvelles. Dans le démarrage journal, là, information qui concerne la Commission Affaires sociales Sénat qui chute à parler mardi 5 juin avec le Forum économique, secteur privé et puis membre association industrie d'Haïti. Dossier revendication ouvrier dans le secteur textile, t'es dans le temps, discussion ça y est. D'après le président Commission Affaires sociales, là, sénateur Wanik Pierre, qui t'es dans le micro, fait bien confident avec Moïse Wilbridge. Suite à un ensemble de rencontres qui fait déjà, soit avec le ministre des Affaires sociales là, soit avec différents syndicats. Donc aujourd'hui, c'est tout pas secteur privé. Hein? Et c'est par rapport à ce qui vient dans la rue, côté depuis plusieurs semaines, il y a un ouvrier qui est dans la rue, hein, qui a un ensemble de revendications. Par exemple, les questions de l'assurance médicale qui n'ont pas joué, question COB, yo paye dans ONA, et bien patron n'a pas versé pour yo, question ajustement salaire, et bien aujourd'hui, nous sommes fait une rencontre avec le président du secteur privé. Je pense que c'est une très belle rencontre et moi-même, dans lundi, je suis très satisfait. Parce que le secteur privé a lui-même, il plein noir sur blanc. C'est comme si l'inflation lui-même lui dépassait 10%. C'est ce faut gagner un ajustement de salaire. Et le quoi normalement, c'est CSS là, qui est le Chita, qui doit faire proposition pour que normalement, lui-même, il soit capable d'agir. Et je crois de l'autre côté, ça qui concerne le transport par exemple, il est prêt pour être capable d'accompagner les gens. Question plat chaud, le gouvernement est prévu, mais il est même prêt pour être chita dans la discussion de une façon pour le problème et continuer à poser et jouer une solution. Et nous-mêmes, nous clairs, nous disons que. Et ça qui gagne dans la rue, il y a un manque à gagner. Manque à gagner à lui-même, c'est ce commission affaires sociales capable de victime, secteur privé capable de victime, pays capable de victime. Eh bien, nous avons intérêt aujourd'hui pour ce dialogue social là, nous faisons pour résoudre le problème, pour dire que c'est la rue qui résout le problème. Toujours sous même dossier, un président Forum économique secteur privé à France, Bernard Tran, reconnaître inflation augmentée, faut gagner ajustement salaire pour ouvrier yo. Dans ce sens-là, Forum n'en prêt pour suite à parler à organisation syndicale yo, et puis comme décision, conseil supérieur salaire pour mettre en application. L'extrait toujours dans le micro fait bien confident avec Moïse Wilbridge. Nous, dans le secteur patronal, dans l'association, que ce soit ADI, que ce soit chaîne de commerce, que ce soit forum économique, et toute association qui m'en forum, là, nous parions pour nous chiter avec syndicats. Et comme de fait, nous étions chiter avec eux en avril, nous faisons deux jours de discussion, et nous dérivons signer un accord d'engagement avec eux. Accord d'engagement, ça a surtout concerné mesures d'accompagnement que le syndicat a demandé et que j'ai raison mandé, entre autres. Il concerne tout au NAC au FATMA. Il concerne le dialogue que nous avons pour nous gagner de façon permanente. Ce n'est pas un dialogue qui peut faire seulement le gain et des demandes, réclamations d'augmentation de salaire. C'est un dialogue pour fait, qui peut faire toute année. Cependant, je nous dis, et sénateur Wanik, avec le sénateur qui accompagne Lio, nous gagnons selon la loi une commission qui est la commission des salaires qui vient pour le réunir pour faire l'état en proposition sur ajustement de salaire qui est fait pour faire à partir de loi Code du travail qui prévoit que lorsque gagne une inflation qui dépasse 10%, faut que commission des salaires là proposer l'état haïtien un ajustement de salaire et nous-mêmes nous parer pour nous respecter ça l'état haïtien a décidé sous ajustement salaire là et pas de discussion et nous parer tout pour nous chiter avec syndicats et nous chiter avec eux régulièrement pour nous discuter sous mesure d'accompagnement que l'état est pour le plan pour le capable permettre que situation ouvrier améliorée et que le travail dans de meilleures conditions. Que ce soit pour travail non nuit, que ce soit pour amélioration et transport,
que ce soit pour manger que y'a besoin, que y'a capable d'avoir accès à eux, nous parler pour nous discuter avec eux. Et nous parler pour nous discuter avec eux tout sur toute question qui intéresse eux et qui intéresse eux. Donc, nous-mêmes nous demandons pour l'État, c'est-à-dire le ministère des Affaires sociales, là, convoquer réunion rapidement pour nous capable chiter avec eux et pour nous commencer à travailler tout sur un point qui est important pour eux et pour nous, qui c'est le code du travail. Là. Voilà, autant suivre intervention président Forum économique secteur privé, Franz Bernard Kran. L'autre information dans le journal ça, première dame République la Martine Moïse remet coupon by plusieurs mamans dans quatre programmes Ti Maman Chérie. Activité ça fait mardi 5 juin dans l'école nationale République États-Unis dans Bois Patate. Programme ça a aidé maman yo joindre accompagnement nécessaire pour permettre yo soutenir famille yo ak activité yo. Mais vite suivre un reportage avec Falan Delphin. Coupon sa yo maman yo a changé dans mobile unique transfert a aidé yo souvenir ak besoin urgent yo pour accompagner ti moun yo. Environ yon centaine maman qui était présent dans occasion pour recevoir coupon yo. J'ai ça montré volonté gouvernement pour accompagner maman yo d'après première dame République la Martine Moïse qui renouvelé engagement pour plaider en faveur cause mesdames yo. Puis loin, première dame Martine Moïse mandé pour ti moun yo satisfaire maman yo à travers résultat y a porté ba yo. Femme c'est pour tout mitan. Femme n'est pas ti moun est tombé dans mer. Li vire, li tourner, li boisser, li tordel, la boue de l'eau. L'eau reste comme la prêter pour ti moun yo pour tout à petit li régler. Parce que l'aime sorti là dans marché. La ponti sous les la votre appel. La ponti qui l'autre la votre appel. La ponti barrette la votre appel. C'est pour ça au fur et à mesure tout ça ti moun a besoin, ti classe la votre appel dans la là. C'est pour ça toute société qui comprend qui va leur femme gagner. C'est société ça qui va avancer. C'est ça que fait jodi a pas négliger pas un seconde mesdames pour courir nous. Pas négliger pas un seconde pour m'aider nous parce que moi n'est que si m'aider nous c'est pays à tout m'aider parce que tout ça n'a fait c'est pays encore qu'à bénéficier. Moi te décide jodi a même si c'est fait moi pour pas traiter fait à président Timonio mais pour devenir fait avec nous avant parce que moi n'est nous même sommes ça yo c'est de potomita que m'a compté sur nous. Donc, si ça arrive, ça, si fait ça, nous devons aujourd'hui, vu nous faire la vie, fait ça avec nous, dans l'école, ça, ensemble avec Timounio qui c'est petit. Il faut nous prendre nos premières dames qui courent nous. Il ne courent nous à moitié, il ne courent nous à demi. Il courent nous à 100%. Yon na bénéficié programme accompagnement ti maman chéri a qui t'a parlé nan nom mesdames yo qui t'est présent remercier gouvernement ak première dame nan pour geste sa yo di ki a aidé yo nan accompagnement éducation ti moun yo. Merci maman chéri rentre nan kay la c'est comme qui t'en sauve lié pour nous si vous nous te manquer yon kayé avec comme ti maman chéri a nous acheter nous te manque plus nous te manque crayon li te manque crayon nous acheter la belle c'est pour ça là pour nous ti madame. Merci. Moi, je que tout le monde, madame Mathieu, merci. N'a pas rappelé, ça fait notre troisième commune, programme Ti Maman Chérie a atterri. Première dame nan qui souhaitait programme ça atteindre objectif li, rappelé travail chef d'État à gouvernement a fait pour mettre plus programme accompagnement pour maman yo. Voilà, j'en t'ai regardé le programme Ti Maman Chérie a avancé, un programme qui visait aider maman yo dans activité yo. Merci Falande ak Marseille. Ministère Travaux Publics, Transport et Communication lancé lundi travail bétonnage, asphaltage et élargissement route dans le département l'Ouest. Activité ça y a fait dans plusieurs communes dans le département dans le cadre caravane changement. L'invite au suivi un reportage avec Daline Dorival. Neven à souhait, dans la commune Croix-des-Bouquets, exactement dans le Carrefour Marassa. Côté technicien ministère travaux publics yo a travaillé pour élargir route là. Ingénieur Andy Jean-Louis qui c'est responsable chantier a expliqué dans qui état route ça teye, difficulté moun kon fait face dans zone là. Ingénieur Andy Jean-Louis dit li kwè travail ça yo pral porter en pile changement dans la vie moun Croix des Bouquets. Normalement nous procéder avec élargissement des voies pas bien route ça là son route internationale. Son route qui l'on partie là descend l'arrivée jusqu'à République Dominicaine. Donc la route là était très fermée
et autorité dans les travaux publics, au ministre en particulier, c'est ça. Et il était fait passer nous des instructions pour nous procéder avec l'élargissement route là. Et dans quatre programmes caravane changement, nous commençons à faire ça au moment de nous. Et nous pensons très bientôt n'a privé côté de river là-dedans. Même font bon temps quoi des bouquets m'habiter, c'est sous le trafic ici. Les matins, les midi, les soirs sont pas casquette chinois. Et moi j'ai un petit monde d'habiter quoi des bouquets, j'ai un petit monde qui là me connait pas l'école avec depuis 5h du matin, les 8h m'pas arriver en ville. Donc nous pensons avec travail qu'on a fait là, il va diminuer complètement embouteillage. Pas dire qu'il a diminué totalement, mais il va diminuer. Plusieurs citoyens remercient l'administration Moïse et le gouvernement La Fontaine pour ensemble travail ça yo dans cadre caravane changement en pile là-dedans yo souhaité pour travail yo continuer sans camper. M'a dit président Jovenel Moïse merci en pile pour caravane changement que li voyé dans la peine dans là dans quoi des bouquets et massa et après ça en pile sans développement ni pour famille ni petit m'a levé à venir ça. Si tout président t'a fait ça, ça veut dire que c'est un bel travail parce que nous trouvons cette zone maintenant nécessité ça et nous félicitons tout le gouvernement qui pense avec nous dans le cadre des bouquets parce que le travail là était vraiment manqué. Non bon, on est capable de dire nous pas de 4 ans encore. Bon, c'est à dire nous sommes sous chemin de développement et avec du sang que a dit en gros. Nous dit gouvernement bon travail. Pour se pas éviter accident, poussière, la boue, les fait la pluie parce qu'il y a en pile la boue et puis en pile poussière et parfois bon ici il y a en pile accident qui fait. Et puis encore d'armer pour d'aller le faire, d'armer le retour, route dit plus bon. Caravane changement c'est une stratégie administration Jovenel Moïse mettez campé pour faciliter service rive jeune population hein. Ça cap permettre condition la vie améliorer. Toujours dans ça qui vient pour la caravane changement sous supervision travaux publics transport communication travail entretien routier sur Delma qui lancé depuis plusieurs jours après poursuivre ses compagnies construction remix qui a exécuté travail habitation tronçon route Delma 95 pour bout Delma 60. L'autre nouvelle, m'a dit 5 géants marqués Journée mondiale environnement, dans l'occasion, ministre environnement Pierre Simon Georges annoncé yon ensemble mesi pour planter pied bois qui a facilité couverture végétale là augmenter. Ministre Georges m'a dit population en pi bien gérer environnement pour empêcher effet négatif yon fait trop dégâts sous lit. Ministre lundi, depuis l'arrivée dans tête ministère, yon déjà planté en 30 à 40 millions pied bois. Tout suivi un extrait dans le micro Anne Marguerite Auguste. Anessa nous a adopté comme thème, c'est lutte contre la pollution causée par les déchets plastiques. Donc on est son gros bataille que le diable a fait en Haïti et contre les déchets plastiques. Heureusement, moi, j'ai senti que il y a une grosse sensibilisation qui commence à faire. Il y a un peu de monde qui commence à travailler un peu dans l'affaire recyclage. Donc, je suis certain qu'au bout d'un certain temps, que ça va parler pour toute amélioration, parce qu'il y a des gens qui commencent à rendre compte que le plastique là, en même temps, tout, c'est richesse. Je dis assez. Journée environnement, c'est aussi pour nous autres en Haïti, une journée de réflexion. Une journée qui dit combien qui va aller fort que nous avons pour nous déployer pour que couverture végétale, non, pas autour de 2% encore. Nous prenons des mesures depuis l'arrivée du président Jovenel et du gouvernement La Fontaine. Nous prenons des mesures qui pour permettre que nous corriger la situation ça, qui gagnait effectivement un effet, son situation qui a un effet très néfaste, très négatif sur la biodiversité, sur l'écosystème, etc. Dans l'environnement. Chaque zone, côté nous avons planté pieds bois, on a fait un protocole avec les paysans pour permettre que les gens qui viennent dans la main et puis ils considèrent pieds bois, ils ont petit, pour les bailler de l'eau, pour les nourrir, etc. Parce que ils ont quelque chose en retour.
on connaît à partir de année ça tout pour répondre à un vœu de président de la République là, reboissant par le curriculum qui monte l'école, c'est une très bonne chose pour permettre que vous apprenne à faire des travaux communautaires, aimer pays, comprendre sa pied boyer, comprendre sa environnement, etc. etc. Institut Bien-être Social ak Recherche yo lancé mardi 5 juin yon ensemble activité pour marquer Journée nationale Timoun yo dimanche 10 juin k'ap vini la. Konte m tankou tout citoyen, c'est sous thème sa activité yo ap déroulé nan kad célébration Journée sa ki vise honorer Timoun nan peyi a. Yo extrait nan micro Rachel Saint-Fort. Pas d'activité sur tout territoire. Mais par contre, moi t'aimerais vraiment renforcer activité phare que nous pas gagner. Par exemple, ou gain vendredi et samedi, ou gain salon de protection de l'enfant. Nous connaît ça fait 6 ans que salon ça fait. Nous carrément institutionnalisé et c'est pour ça aujourd'hui à m'a profiter inviter tout citoyen pays à cap tendre m'a parler aujourd'hui. Vini dans le bien-être social pour le salon de protection de l'enfant. Côté, il est capable d'informer, il est capable de partager avec nous des suggestions, recommandations sur la protection de l'enfant. Et il y a bien occasion pour rencontrer plusieurs partenaires qui prennent là, qui présent, qui prennent des stands. Côté, eux-mêmes, ils prennent parler de toute activité qu'ils peuvent faire. Donc, salon de protection, hein, a fait dans le bien-être social, nous prenons côté, nous prenons rénover tout quartier rue Marguerite là, côté nous pour un quartier a beaucoup plus amical aux enfants. Donc il sera très important pour nous capables de visiter nous pendant 2 jours ça y est, de 8h du matin jusqu'à 6h de l'après-midi. Les 2 jours de salon de protection de l'enfant, c'est un salon qui pourra avoir en pile importance pour nous. Si nous avons droit pour y avoir bon acquisance avec bon genre information cap pour vérifier citoyen pays a selon les la loi définie. Ça t'a dit depuis un monde fait naissance libre déclarée et puis l'État doit bail papier qui dit automatiquement où c'est citoyen. Selon Jean la loi définit ça et monde ça doit jouir tout droit lui comme citoyen. C'est pour l'État créer bon jeu système pour toute information bien enregistrée pour pas de problème d'identité puis devant. Mais peut-être ça, nous pas identité seulement, mais nous comprenons ce commencement parce que pour l'État garantir tout notre droit, il faut qu'il connaisse nous exister tout bon et qu'il reconnaisse nous. Tant que le monde a une obligation envers lui. Thème ça veut dire, pas de gros citoyens, pas de petits citoyens. L'État a une obligation pour garantir bonne condition de la vie et protection pour tous les citoyens, quel que soit l'âge, couleur, race et la pluie. Voilà, c'est sur l'information, ça on a observé en coup de pause dans le journal là, pas déplacé, n'a pas tourné. Dans le dossier sport, match Israël-Argentine qui était programmé pour samedi 9 juin dans la ville de Jérusalem, pas fait encore, à cause de menace qu'a fait sous capitaine équipe argentine Lionel Messi. Et puis à l'étranger, tennis Roland Garros, italien Marco Cecchinato, validé billet pour demi-finale compétition ça, côté Libat, ayer Novak Djokovic 3-7 à 1. Ministère Travaux Publics, Transport et Communication lancé à lundi travail bétonnage, asphaltage et l'ajustement route dans le département de l'Ouest. Activité SAIO a fait dans plusieurs communes dans le département dans le cadre caravane changement. Ayamadi 5 juin marqué Journée internationale environnement. Dans l'occasion, le ministre environnement Pierre Simon Georges annoncé ensemble mesi pour révoiser le pays. À l'étranger, dans le pays Guatemala, l'activité volcan El Fuego a grossi chaque jour, même si c'est corrosif. Il rejoint un bébé tout vivant dans des camps village El Rodeo. Et bien voilà, amis téléspectateurs, c'est la journal la bout pour jeudi. Merci pour fidélité, roi, attention. L'invité aurait été branché pour suivre cette programmation. Bonsoir tout le monde.